forcément, après une défaite, on est toujours un peu déçu. Mais il faut avouer que Montpellier était une meilleure équipe aujourd'hui. Un petit peu déçu, mais je crois qu'on s'est battu. Aujourd'hui, c'était le premier match qu'on était plus ou moins au complet. Il nous manque encore Momo et Martin, mais il y a certains joueurs qui sont revenus aujourd'hui. Ça fait plaisir de les voir sur le terrain, mais c'est sûr qu'il va falloir un peu de temps pour qu'ils s'intègrent dans le projet de jeu et qu'ils se sentent bien sur le terrain. Donc, la défaite est lourde. Moins vite, ça fait pas plaisir. Mais je pense qu'on n'était pas si mauvais que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier jour que Toto, moi, Juan, il a fait le retour. Et Momo, il est blessé. C'est très compliqué. Une équipe avec beaucoup de blessés. Et maintenant, tout le monde commence à rêver. On a fait une semaine de handball tous ensemble. Et c'est très compliqué pour nous. Mais on a bien joué, on a perdu beaucoup de ballons aussi. C'est Montpellier. On va travailler maintenant pour la prochaine semaine. Je contre Dunkerque et j'espère qu'on gagne là-bas. Je ne le pense pas. J'espère pas qu'on aura une pression plus grosse qu'aujourd'hui. Tous les matchs vaut 2 points. Donc pour moi, il n'y a pas de raison de sentir une pression. Quand même, c'est un match important parce que c'est contre, malheureusement, on peut dire aujourd'hui, un concurrent direct qui est en dessous de nous. C'est une équipe qu'on peut battre à Dunkerque. J'espère qu'on en est tous conscients et qu'on délivrera notre meilleur jeu à Dunkerque. Oui, très content. C'est un mois, je ne joue pas. J'ai beaucoup de problèmes avec la cheville. Maintenant, c'est parfait. Après de longtemps, tu ne joues pas, tu ne fais pas l'entraînement. Je suis très content de retour. Je me sens un nouvel joueur une nouvelle fois. Et ça, c'est le plus important pour moi, d'arriver avec l'équipe, commencer à jouer un peu. Et ça, c'est le plus important.